jours, c'est compliqué à appliquer parce que pour moi, c'est pouvoir exercer sa religion de manière libre, mais dans la sphère privée. Le souci, c'est que la religion aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité de beaucoup de personnes, de beaucoup de jeunes. Donc c'est compliqué pour eux de ne pas l'afficher dans la sphère publique. Donc beaucoup de personnes, en fait, utilisent la religion comme une partie de leur identité et donc s'exposent beaucoup sur ce sujet-là et peuvent donc amener des personnes à du prosélytisme ou des choses comme ça sans forcément le vouloir. La traduction dans tous les jours, c'est effectivement une attention. Hein, en tous les cas, sur les établissements, c'est faire en sorte que les signes religieux ne soient pas trop marqués, même si effectivement, nous, on a la difficulté d'avoir des jeunes qui vivent au quotidien là. Hein, donc, et c'est toute la difficulté de reconnaître leur droit à croire, hein, donc, et de faire en sorte que ça ne s'opère pas en public devant les autres. Hein, donc c'est un travail au quotidien, hein, de pouvoir reprendre. C'est vrai aussi pour certains salariés. Ça pose la question souvent, hein, c'est au moment du Ramadan. Hein, c'est quand même effectivement ce qu'on a le plus à gérer sur nos établissements. C'est comment ça se gère, tant pour les salariés qui du coup se mettent à distance pour ne pas partager le repas avec les autres, mais c'est aussi une façon de marquer sa foi quand effectivement on ne mange pas avec les autres. Et puis c'est aussi la question des jeunes, de comment effectivement on les aide aussi à gérer cette question-là, parce que c'est en lien avec leur famille. Donc est-ce qu'on lève un enfant le matin pour lui permettre de manger avant le lever du jour? Est-ce qu'on lève pas? Est-ce que c'est sa responsabilité? C'est des questions qu'on essaie de gérer au mieux. Et puis c'est aussi que l'autre, le restant du groupe comprenne aussi cette question-là. Donc la laïcité, c'est quand même aussi, je pense que c'est permettre aussi l'exercice de la religion sans qu'elle soit pour autant dans l'espace public. Dans la vie de tous les jours, la laïcité est un peu importante par rapport au quotidien parce qu'il peut y avoir des conflits entre certaines religions. La laïcité, c'est l'acceptation des autres religions justement. Et qu'on ne peut pas définir une personne à son visage, vu que dans certains établissements scolaires, comme on nous a appris, le port de la croix n'est pas autorisé, le voile non plus, ou tout ce qui rapporte à un signe religieux. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Pour moi, c'est le principe d'égalité. Qu'on soit juif, musulman, qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, peu importe, on a des droits, on est tous égaux devant les administrations, dans la vie de tous les jours, à l'école, dans le monde du travail, peu importe, au regard de la loi. Voilà, pour moi la laïcité, c'est vraiment le principe d'égalité pour tous. Au niveau individuel, la traduction dans la vie de tous les jours, c'est la scolarité en France aussi qui est laïque. Hein. Et individuellement, ça peut se traduire aussi par le respect des individus, des uns envers les autres. Alors, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Bien, ce qui concerne le côté professionnel, c'est de garder mes idées pour moi et du coup de pouvoir être tolérante la vie de tous les jours professionnellement et de tenir compte des idées de chacun. Concrètement, la laïcité s'exerce dans la neutralité finalement des institutions, que ce soit l'école, l'hôpital et toutes les autres institutions. Cette laïcité, c'est aussi la liberté d'expression et ça c'est tous les jours. C'est la possibilité de débattre, d'échanger, que nos croyances soient différentes les unes les autres. Elle s'exerce ainsi, cette laïcité, avec cette forme de liberté d'expression. On la vit au travail, on la vit à la fois à la maison, on la vit en extérieur. Ça représente réellement la capacité à vivre ensemble et à s'accepter avec nos différences. Donc on le vit en permanence dans un travail d'équipe. C'est avoir cette capacité à écouter l'autre, à comprendre l'autre et à accepter qu'il pense différemment. Donc ça, c'est un élément auquel on est confronté tous les jours dans nos métiers, et notamment dans le public. Le quotidien, ça se traduit par accepter l'autre tel qu'il est, et faire avec, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous différents,
on a des croyances différentes, même si c'est pas des croyances religieuses ou autres, mais chacun a ses idées, quoi. Donc du coup, on est obligé de les respecter. On a le droit de pas être d'accord, mais en tout cas de les respecter. Et je pense que la laïcité, ça passe par là, accepter l'autre tel qu'il est. Dans la vie de tous les jours, c'est l'avantage de pouvoir sortir sans se dire qu'on est jugé par rapport à nos croyances qu'on garde pour nous. La laïcité dans la vie de tous les jours, c'est pouvoir se promener et croiser des lieux de culte différents, tels que les mosquées, les synagogues ou les églises, mais aussi se rendre dans des lieux de restauration ou de culture, et ne pas être jugé et pouvoir y entrer tel qu'on est.